Happy Canada Day! We'll be right back.
Merci. Ça fait du bien d'entendre du monde. Ça fait 4 jours qu'on est enfermés ici puis il n'y avait pas de bruit entre les tunes. C'était vraiment veg. Merci d'être là. Ce soir, on célèbre un double ou triple lancement. Ça dépend comment on voit ça. Mon 8e album, mon nouveau show. Puis, puis j'avais vraiment hâte d'arriver à ce moment-là. Puis je sors aussi un livre en même temps. J'ai pas encore appris le titre par cœur, donc j'ai besoin d'exemplaires. C'est les films, les desserts, les chaises, les souvenirs, les voyages, la radio, les vedettes, le journal, les rêves, les fantômes, les messieurs, les animaux, les insectes, les médicaments, les voitures, les énumérations, la répétition et les énumérations. Préface de Mathieu Arsenault. Donc, je sais pas s'il y a des auteurs dans la salle qui ont déjà été édités. Y a-t-il des auteurs dans la salle? Parce que je sais pas si ça a fonctionné pareil pour vous comme pour moi. Ça a été très difficile. Ça a vraiment été très difficile. Moi, ça a commencé, en fait, il y a une madame qui m'a enlevé. Elle m'a séquestré dans une maison dans le bois. Elle m'a menotté à un lit avec une machine à écrire. Maintenant, j'ai essayé de me sauver, elle m'a pété les pieds avec une massue, c'était vraiment rushant. J'ai rendu très, très faible à un moment donné, puis une nuit, pendant que je dormais, elle est rentrée dans ma chambre, puis elle a dit « Moi, j'aime ça, les chèvres. Écris-moi donc un chapitre de chèvres. » Fait que là, j'ai dit « Hein? » Fait que là, elle a dit « T'as bien compris, mon pit. Écris-moi un chapitre de chèvre. » Alors, je pense que je l'ai aperçu dans la salle. J'aurais pas le choix d'en faire un bout. Je suis vraiment désolé. Voici les chèvres. Deux chèvres dînent ensemble au restaurant. L'une dit à l'autre, « Moi, je vais prendre un pogo. » L'autre dit, « Moi, je n'aime pas les pogos. » Deux chèvres se croisent sous un pont. La première dit à l'autre, « Il pleut. » L'autre répond, « C'est encore drôle. » Deux mouflons sont en train de se raser. L'un dit à l'autre, « Me passerais-tu ton blaireau? » Que fait une chèvre en vacances? Elle lit. Ah, on a une petite dernière ici. Deux chèvres clavardent. Ici, c'est important d'imaginer leurs petits sabots sur le clavier. L'une écrit à l'autre, « Ça va? » Thank you.
téléphone sonne. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Mais le mannequin ne répond pas. Mais le mannequin. Bientôt l'automne, c'est bientôt l'automne, c'est bientôt l'automne, mais le mannequin ne le sait pas. Non, le mannequin ne le sait pas. Son travail de mannequin de magasin. Rendez-vous téléphonique, genre. Peux-tu me dire quand est-ce qu'on va pouvoir se parler? J'ai pensé à toi aujourd'hui. Je magasinais, puis j'ai vu un morceau qui tirait bien. Ben, tu sais, la chemise qu'on avait vue l'autre fois, t'as voulu, me semble. Fait que je te l'ai achetée. Ben, il n'y avait pas de large, juste des médiums. Mais je pense qu'elle sera assez large pour toi. Bon, ben je vais pas monopoliser toute la cassette. Fait que ciao! Hey, si t'es dans le coin à soir, appelle-moi ou passe à la maison, OK? Bye, Pascal! Merci, monsieur.
Geneviève Jean Binley. La prochaine peut être entendue sur les ondes de CISM, de Radio-Canada et aussi à la Station spatiale internationale. Tu as vraiment penser à la fois où j'étais à Berlin avec Yves-Jacques, Mathieu, Kenel, Benoît, Moffett et David Lorrain. Tu as l'air d'aller bien. Tu ressembles à quelqu'un. C'est derrière quelque chose de pesant. Il est bon de te voir quand tu n'es pas fâché. Ton sourire et tes yeux sont enfin libérés. Tu as
Après avoir retiré les cendres de mon pied de ta bouche, je me suis demandé comment les colibris, et j'ai écouté Everybody Hurts, et ensuite j'ai vu des clowns retirer des tissus de leur mâchoire à l'infini. Un taxi pour Jamie Gertz. Un taxi pour Jamie Gertz. Un taxi pour Jamie Gertz. Un taxi pour aller dans l'espace et j'ai croisé ta mère. Et elle m'a préparé un repas. Nous étions vendredi. J'aurais voulu te dire, mais je n'ai jamais su parler, alors je suis rentré chez moi, regarder des portraits de toi. Un où tu es assis sur une chaise en PVC. Un où tu es debout. Un pris devant chez toi. Tu ne regardes pas l'objectif ou la caméra. Ou ce peintre qui voulait faire un vrai portrait de toi, comme dans les films quand ils font de vrais portraits des acteurs qui jouent dans le film que l'on regarde mais que l'on n'aime pas vraiment. Mais c'est parce que le décor est mal choisi, mais on ne sait pas que c'est pour cette raison-là qu'on n'aime pas le film. Et toi, tu aimes le film. Un taxi pour Jamie Gertz. 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 Salut, entre guillemets, sœurette. Bonhomme qui tire la langue. Comment tu vas? Ça fait déjà 2 semaines que tu es parti. Le temps passe si vite. 3 petits points. Ça doit te faire tout un choc, le, entre guillemets, dépaysement. Il doit faire, entre guillemets, chaud par chez vous. J'ai tellement de questions pour toi. C'est fou, fou, fou. Ha, ha, ha. Bonhomme sourire. De mon côté, c'est le petit train-train habituel. Travail, étude et tout. Les gens du film sont très gentils avec moi. Il me traite, entre guillemets, aux petits oignons. Ouvrez la parenthèse. Tu sais ce que ça veut dire exactement, les petits oignons? Parce que moi,
Les petits oignons, je ne les traite pas si bien que ça, si tu vois ce que je veux dire. Ha, 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 ha. Bonhomme sourire qui tire la langue avec des petites cornes. L'autre jour, j'ai tenté de prendre contact avec le perchiste qui me suivait partout. Il faisait semblant de ne pas me voir, point d'exclamation. Moi, je savais qu'il était là, et lui savait que je savais qu'il était là. Mais ces gens sont des pros, alors j'ai décidé de les laisser travailler et de continuer à faire le film. Présentement, on tourne une scène assez touchante où je t'écris une lettre, entre parenthèses, à la main, comme dans l'ancien temps. Le scénariste a prévu un scénario où est-ce que tu partais en, entre guillemets, en voyage, entre guillemets, en Afrique. Entre parenthèses, faisons comme si ce continent existait vraiment. Mais je sais très bien que tu es dans ta famille avec toute ta famille en vacances à Saint-Lin. Point. Excusez. C'est une longue lettre. Je ne t'en veux pas, deux points. Je sais que c'est difficile d'être une comédienne de nos jours et que tu as besoin de congés parfois. Signe de pièce, signe de pièce. J'espère qu'il te paye bien, au moins. Signe de pièce, signe de pièce. LOL. Je m'ennuie beaucoup de toi et j'espère que tu vas revenir bientôt. Ce serait vraiment dommage que le scénariste fasse, entre guillemets, mourir en, entre guillemets, Afrique, puisque tu aurais pris un contrat plus payant dans un autre film. Ton frérot, qui t'aime beaucoup, Daniel. XXXX, petit O. Il y aura quelques scènes
papa Patrice Lécuyer. Plein des choses que l'on ne savait pas. Et on s'en étonnera à la télé d'État. Voici une chanson du temps où j'étais jeune fille, chanson de mon premier album qui s'appelle Bambou.
Comme a déjà dit un animateur de Radio X, ouais, les navets confits, ça doit pas bien que boire du thé, cette gang-là. Ta guitare ou ton ampli? Non, là, je suis muté, puis ça fait encore. Je suis pas mal muté partout, moi aussi, là. Je pense que ça vient d'en arrière.
I believe the children are future. Teach them well and let them lave the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride. Make it easier. Let the children's laughter remind us all we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone to fulfill my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. The greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Is the greatest love of all. And if by chance that special place that you've been dreaming of leads you to a lonely place, find your strength in.
Merci. Je me lance dans une carrière FM. Autotune, c'est tellement cool, man. Je voulais vous présenter mes musiciens. Émilie Proulx, Lydia Champagne, Carl-Éric Hudon et Sheena Cole. Thank you.
Merci. Appropriation culturelle de l'anorexie. Tout pour que ton corps interpelle les dichotomies. Ta libération sexuelle.
Si vous êtes tanné d'entendre cette chanson-là, je vous donne vraiment le droit de vous en aller. Le téléphone sonne. Merci beaucoup, bonne fin de soirée.